Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement durable, accompagné du Conseil du Café Cacao, a fait une mise au point le jeudi 25 mai 2023. C'était lors d'un point de presse à la Questab au plateau. Ce point de presse vient en réponse à la sortie d'un certain nombre de producteurs de café cacao qui avaient mené un sitting le mercredi 10 mai dernier. Ceux-ci revendiquent le reste du paiement des primes Covid. Donc je voudrais vous rassurer que le Conseil Café Cacao a pleinement joué son rôle. Certainement que la communication n'a pas trop suivi. Et c'est justement pour cela que nous sommes montés au créneau pour dire que personne n'a détourné de l'argent. Nous, on aurait pu, et il a porté plainte, parce que voilà des gens qui veulent user de faux pour venir prendre de l'argent du contribuable. Dans le cadre du programme d'urgence de soutien aux filières agricoles impactées par la Covid-19, le président de la République de Côte d'Ivoire a octroyé un fonds de soutien de 17 milliards de francs CFA à la filière café-cacao afin de les soutenir.